Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au Sable d'Olonne et plus particulièrement au niveau du quartier historique de la Chaume, quai des Boucaniers. La Chaume est un territoire extrêmement intéressant puisqu'il est entièrement sans d'espace naturel. L'océan d'un côté, puis la forêt domaniale d'Olonne et enfin la dune de la Cassotte. C'est ici que s'élève l'élégante Villa Charlotte, une villa balnéaire aménagée par l'industriel nantais Laurent Tertrais. Une villa et son parc, tout un ensemble relevé depuis peu et notamment grâce au dessin signé du célèbre paysagiste Louis Bénèche. Bienvenue au jardin. Bonjour Louis. Bonjour Maria. Je vous embrasse. On est bien ici à la Villa Charlotte. Oui. On a le temps idéal en plus. Pareil, de petites marines, bleu marine. Est-ce que vous croyez que Charlotte pouvait avoir les mêmes? Je ne pense pas. Non, je ne crois pas. Mais elle avait sûrement des bijoux. Je pense qu'elle avait sûrement des bijoux. Un très beau bijou, ce jardin déjà, qu'elle a créé. Qu'elle l'a amélioré, qu'elle a transformé. Il existait? Oui, ça existait du temps des Tertrais. Ouais. Elle a à la fois simplifié et transformé la fleur, le légume en fleur probablement. Elle a transformé le légume en fleur. Quelle fleur? Donc au début du XXe siècle, quelle fleur on pouvait trouver ici? À mon sens, des roses. Ce que je vais remettre autour de la maison, alors que je ne suis pas du tout sûr que le tour de la maison était planté. Enfin, les photos prouvent que c'était plutôt pas planté autour de la maison. Ouais. Mais je vais remettre vraiment toutes les choses de son époque, c'est-à-dire des camélias pour les gens qui viendront l'hiver, certes, ouais, mais des camélias à fleurs bicolores, enfin des variétés. On a dans le jardin un très vieux camélia qui a été hybridé avant le début du XXe siècle, qui est le moment où elle achète la maison, ouais, qui est un camélia nantais, qui s'appelle Adolfo Dusson, qui est un gros camélia rouge. Alors ça, j'en ai déjà dans le jardin, mais je vais remettre ce genre de plantes, enfin des plantes qui sont typiques de la fin du 19e et donc des roses. Une rose qui sera là, parce qu'elle est encore en fleur maintenant, c'est une rose qui s'appelle Noisette Blush. C'est ravissant, c'est une rose exquise qui a un parfum de... Pas de rose thé, pas de rose avec du sang chinois. Non, parce que la plupart des roses remontantes sont des roses avec du sang de Rosa chinensis. D'accord. Et pourquoi ça? C'est d'abord parce que c'est parfaitement dans le ton. C'est ultra féminin parce que c'est des groupes de petites fleurs un peu frilly, très féminines et blanc carné, rose. Rose très très pâle, mais parce que il est probable que la tribu des noisettes était des gens de Nantes et il y a eu des paysagistes et ils ont peut-être aidé ou les Tertrais ou les Chaillés à la construction du jardin comme plein d'autres noms sont venus. On pourrait penser donc à Dominique Noisette pour la création de ce jardin? Peut-être, peut-être. Je ne suis absolument pas affirmatif. On ne connaît pas donc la personne qui a signé le jardin de Charlotte. En revanche, on connaît celui qui a signé le jardin de demain pour la ville de Sable d'Olonne. Oui. Qui est Louis Bénèche? Ça, je ne sais pas qui. Un artiste, un paysagiste, un jardinier? Un paysagiste. Et je ne me considère pas du tout comme artiste parce qu'on a trop de choses à gérer dans un jardin. La projection qu'on se fait de ce dont ont besoin les gens, de la connaissance des sols, du climat. On ne travaille pas au Sable d'Olonne, au bord de la mer, de la même façon qu'on travaille au pied des Alpes, dans la vallée du Rhône. Mmh. Enfin, je veux dire, il y a suffisamment de paramètres pour être, avant d'être un artiste, quelqu'un qui a les deux pieds sur terre et qui fait qu'il a envie que son jardin pousse et marche. Et ici, dans les choses qui sont très très drôles, c'est que derrière vous, il y a un chêne liège et un chêne vert. Que le chêne vert est plutôt calcicole, c'est-à-dire qu'il aime les terrains calcaires, et que le chêne liège, lui, n'aime pas du tout le calcaire, et est vraiment heureux sur des terrains acides. Et donc là, ces deux êtres qui poussent assez peu ensemble, qui poussent là parce qu'ils ont été plantés, mais le chêne liège est très heureux.
Et on est dans un sol qui est donc plutôt acide ici, qu'on pourrait croire sableux parce qu'on a plein de sable derrière nous, mais ce n'est pas vraiment le cas. Et on est plutôt sur des débris de granitique, schisteux. On est sur le rocher. Absolument. Ici, hein. Ouais, c'est ça. On est sur le rocher. Et il y avait des arbres que j'ai fait enlever déjà et qui avaient été replantés relativement récemment, probablement par une dame sous-préfète, qui ont très mal poussé. Alors, est-ce qu'ils ont été mal plantés? Est-ce qu'ils n'étaient pas adaptés? Je ne sais pas vraiment. Parce que j'ai replanté quelques... tout simplement des salix alba, parce que ça pousse vite. Des salix, des populus alba, des trembles argentés. Oui. Il y en a partout ici. Et puis parce que là où je ne serais pas du tout historique dans ma composition de replantation d'arbres, c'est que ce que je veux, c'est que les gens, quand ils viennent à la Villa Charlotte, soient replongés dans une histoire qui est celle qu'on a envie de raconter autour de cette maison. Pas qu'on a envie de raconter, mais qui s'est passé là et qui s'est passé avant tout l'urbanisme récent de la fin du XXe siècle. Ce petit lot de verdure dans la Chaume est le dernier bastion où il reste du vert entre des façades de béton hautes. Je vais replanter des arbres pour oublier cet urbanisme et faire que, là aussi, le visiteur puisse aller à ses suggestions et à son imagination et la laisser libre cours sans voir trop de voitures, sans voir trop de façades de béton et de verre. Justement, lui, on tourne voilà, les yeux, on aperçoit ce jardin du quai. Est-ce que vous pouvez me parler de cette partie ici, qui est oui. toute neuve, en fait, qui vient juste... Qui est toute neuve. Et je crois que dans les gens qui ont concouru pour la Villa Charlotte, je suis le seul à avoir voulu refaire un potager ou un pseudo-potager ici. Et un jardin qui, donc, parce qu'un potager s'est organisé pour des questions d'arrosage, de circulation et de facilité de travail... Ouais. avec des carrés, avec des allées. Et ça a été transformé par Charlotte avec une grande pelouse centrale qu'on va retrouver. Et que je puisse réécrire un jardin proche de celui qui était initial, alors qu'il y avait très peu de circulation sur le quai. On est hors la Chaume, ici. Et la maison se construit avec une vue sur la tour d'Arundel et sur un paysage à 360 degrés sur le fort Saint-Nicolas et sur l'océan à l'ouest, qui est derrière la maison. Là, c'est une façade qui fait face à l'est. Tout à l'heure, on était en plein soleil, parce que le soleil se levait. Et puis, il est monté et les nuages sont arrivés. Mais, enfin, essayer de retrouver au maximum les saveurs que eux ont connues. Et à un moment où cette maison était isolée et la dernière de l'urbanisation de la ville de la Chaume, du village de la Chaume. Complètement. Comment ça se passe, lui, quand vous arrivez sur un projet, comme un chantier comme celui du jardin de la Villa Charlotte? Parce qu'en fait, vous êtes face à un jardin historique. Et comment, justement, on se réapproprie? Oui. Alors, je déteste le mot à mot et refaire ce qu'on connaît. Ouais. Par l'iconographie, les photos, il n'y a pas de traces vraiment archéologiques, puisque donc la partie jardin formel et même les conserveries initiales ont disparu. On a une merveilleuse Sainte Vierge qui était là pour souhaiter bon vent et bonne mer aux marins et aux pêcheurs qui y partaient, qu'on va remettre en lumière, je dirais, mais avec peu de taille, c'est-à-dire que les marins en profiteront moins que des gens qui vont se déambuler dans le jardin de la villa, se promener. Je pense que tous les efforts qui ont été faits pour sauvegarder cet endroit viennent de gens qui aiment les sables de l'Aulne tels qu'ils l'ont connu enfant, entre autres. Et qui sont nés ici, qui ont vécu ici, dont les familles sont ici. Et pour le citer, je pense à Michel. Ouais.
Et sans lui, cette aventure ne serait pas là. Qu'il souhaite conserver et transmettre. Comment ? Qu'il souhaite conserver et transmettre plus que absolument. Tout. Absolument. Ouais. Et faire connaître. Et faire connaître. Parce que on parle de Villa Charlotte, mais on parle de Charlotte Vormez, qui avait épousé un sénateur qui l'a conduite ici. Qu'elle était violoniste, et violoniste de... Elle aurait eu une réputation internationale, elle avait une réputation assez mondaine à Paris, parce que les gens cultivés étaient des gens qui avaient le temps. Qui... Voilà. Oui, je crois que le soleil revient. On part, se perd dans le jardin. Absolument, on part se promener. Est-ce qu'on traverse la maison ? On traverse la maison, bien évidemment. J'emporte le plan, on éventuellement, le plan. Qui ne sert pas à grand-chose. Qui est essentiel, ce plan, quand même. Je ne sais pas, oui. Pour expliquer aux gens qui seront devant un écran. Avant de retrouver Louis, je vous propose désormais de retrouver notre apprenti du jardin pour la minute Le Jardin et moi. La permaculture, c'est à la mode, mais on n'a rien inventé. On recherche à reproduire les méthodes de la nature dans nos jardins. Par exemple, un tournesol. On va y planter au pied des haricots rampants et un pied de tomate. Le tournesol sert de tuteur au pied de tomate et les haricots rampants gardent l'humidité dans le sol et la fraîcheur. Donc moins d'arrosage. Et si vous en avez réellement marre d'arroser, il existe l'OIA, un pot de terre cuite avec une microporosité que l'on enterre et que l'on remplit d'eau. La permaculture signifie moins d'efforts pour nous, car la nature fait le travail à notre place. Cette superposition de plantes et de légumes sont superbes pour la biodiversité, la faune et la flore dans vos espaces verts. En permaculture, on évite les pesticides et les produits chimiques. On privilégie les méthodes naturelles. Je vous propose, pour séparer les chemins de vos espaces de culture, 10 à 15 cm de déchets de tonte. Le gazon est très acide et empêche les adventices de repousser. Donc, adieu la binette. Intéressant chez cette Charlotte, Louis, alors vous allez dire si je me trompe, c'est quand elle arrive finalement, elle casse tous les codes et toutes les formes régulières, parce que cette maison classique, hop, elle va faire des excroissances pour créer quelque et chose. Et asymétrique. Voilà. Le jardin du bas, qui était davantage, qui avait ce style régulier avec ses petits carrés potagers, elle retire les légumes et met des fleurs. Oui, elle met une grande pelouse centrale. Elle met une grande pelouse centrale. Dans l'axe de la maison ancienne. Et plus dans l'axe de sa maison avec son nez qui pointe vers le sud. Ouais. Et ça, c'est une modernité. Dans le jardin, c'est, à mon sens, c'est une question de goût. C'est le fait de voir moins de gens travailler sous ses fenêtres aussi. Oui, peut-être. Parce qu'un potager, ça demande beaucoup de boulot. Exactement. Et donc, il y a deux jardiniers qui s'affairent toute la journée dans tous ces carrés de pommes de terre ou tomates ou d'aubergines ou je ne sais quoi. Donc en réduisant le labeur, elle réduit aussi la présence humaine. Bien sûr. C'est intéressant de vous écouter parler. Mais non, je pense qu'il y a aussi ce genre d'aspect sociologique. Et ce n'est pas une volonté de modernité pour elle. Et ce qu'il y a de moderne, c'est se dire que la domesticité, c'est quand même une aide considérable. Parce que c'est absolument merveilleux qu'on a des rapports délicieux avec les gens qui vous aident. Mais que dans le fond, de temps en temps, on a, comme les artistes, besoin d'être seul et besoin de sérénité. Et moi, c'est la voiture que j'essaye de soustraire de la vie, mais elle, c'est peut-être aussi le bipède que nous sommes. Peut-être. Du coup, je vais faire un jardin où il y ait des espèces de clins d'œil à la vie, à la couleur, au parfum. Sur les quatre saisons, finalement. Sur les quatre saisons. Et ça, c'est essentiel. Et ça va devenir le jardin d'une villa habitée 365 jours par 365. Et donc, c'est sûrement pas la façon dont ça a été composé au début.
Voilà. Mais je vais rester très sage, parce que ce que j'aimerais, c'est garder l'atmosphère qu'on a à la minute, même si elle n'est pas historiquissime, toutes les photos me prouvent que ça a été construit et planté de cette façon-là. Et une des choses que j'aime dans le jardin, c'est qu'on triche sur les qualités spatiales. Non, on peut faire plus grand ou plus petit, et puis ça existe depuis... Le nôtre a été le grand champion de... Je fais plus petit, vraiment. Alors que tout le monde pense qu'il fait des perspectives accélérées. Pas du tout, il raccourcit tout. Mais tout simplement pour pousser les gens qui ont toujours été paresseux de tout temps à aller un peu plus loin. Et que le but d'un jardin, c'est aussi la promenade, et donc d'avancer vers un point A, et puis de se retourner et de découvrir une toute autre histoire. C'est pour ça qu'on aime le jardin. Et là, je sais pas, là, on le voit mal, mais en tout cas, quand on est à la maison, on voit très très bien le parcours des allées, actuellement, encore. Mais je ne vais pas le suivre, je vais m'arrêter là. Ouais. Mais en tout cas, tout ça, ça va être fait dans les traces de ce qu'il y a eu. Louis, merci pour votre travail. Merci surtout pour votre témoignage aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve, pas dès demain, même pas dès l'année prochaine, on va attendre que tout ceci pousse. Oui. On se retrouve dans 2, 3, 4, 5 ans. Et on voit justement comment... Inch'Allah. Inch'Allah, comme on dit. Merci beaucoup. If I'm still alive. Site patrimonial depuis 2018, désormais propriété de la ville des Sables d'Olonne, vous l'aurez compris, cette belle endormie depuis des décennies devrait prochainement retrouver toute sa splendeur. Déjà, si vous souhaitez venir découvrir les premières réalisations de Louis, n'hésitez pas à venir arpenter les allées du Jardin du Quai. Pour ma part, je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Bienvenue au Jardin.